Bonjour ou bonsoir les gens, c'est Gorogorcillon qui vous parle en direct de la 22e partie de mon playthrough de Styx Masters of Shadows. Dans l'épisode précédent, on avait en fait pas tant que ça galéré, même si c'était assez compliqué d'arriver jusqu'ici en évitant de tuer les gardes et sans se faire repérer, pour voir la rencontre avec l'elfe et l'ambassadeur du coin qui s'est fait abattre par le vrai Styx. Et maintenant, on était à la décision de soit aider l'elfe, soit aller je ne sais plus faire quoi par là, soit tout simplement se barrer en laissant l'elfe se démerder et en ayant notre petite vengeance en même temps. Comme je ne suis pas particulièrement ami avec les elfes, on va tout simplement le laisser se faire tuer, après tout, hein, on s'en fout. Donc on se casse par là, j'avais repéré la dernière fois. Voilà. Alors, mécanisme, lustre. Donc maintenant, on peut tuer les gens, je pense. Attends, c'est par ici que j'étais arrivé, non? Je sais plus. Bon, là, il y a une statue. Oui, c'est par ici que j'étais arrivé. Donc, faut que j'aille là-bas. Ok. Donc, j'espère que vous allez bien, que ce playthrough vous plaît toujours. Ici, il aura fallu longtemps pour avoir la suite. Yop. Mais non. C'est tranquille. Alors, j'ai toujours tendance à rester silencieux dans ce playthrough. Ah merde, ça c'était pas prévu au programme. Comment on va faire ça? Là-bas il y a quelqu'un. Wow, tu vas toi. Mon but ça va être de remonter là-haut et de repasser la porte que j'avais utilisée la dernière fois. Hop, sauvegarde. Jamais trop prudent. En fait, j'étais arrivé. Il me semble que j'étais arrivé de par là. Pourquoi est-ce qu'il y a un soldat maintenant? Mais il fait chier lui, casse-toi! L'autre, je passe juste derrière, il voit rien du tout. Tac tac. Là, il y a un gars qui dort. Waouh, je fais comment ici? Attends. Bon, celui qui dort, je peux lui passer devant. L'autre, il regarde derrière, il y a juste celui-là qui fait chier en fait. Ils sont tous ces soldats en plus. Ouza. Merde ça. Rendors-toi. Merci. Bon, j'espère que ça me laissera assez de temps pour me barrer. Je me doutais qu'il fallait déverrouiller cette porte. Ça aurait été trop simple de pouvoir l'ouvrir directement. Et on se barre. Et va niquer l'elfe, voilà. On s'en branle de l'elfe. En plus, je suppose qu'en l'ouvrant, il aurait fallu tuer tous les gardes pour qu'ils puissent passer. Donc, je crois que c'était la meilleure chose à faire, quoi. Au moins, pendant ce temps-là, ils seront occupés avec les elfes et ils me foutront la paix. Oui, je suis une ordure. Elf, I'm bringing Querberus to you. Be ready to leave. Non, je te ramène pas Kerberus, je me barre. Damn it, I hope I'm not too late.
moi, c'est pour... Excusez-moi, hein, je manque un peu de voix. Là, j'enchaîne un peu les tournages pour refaire du contenu. Du coup, j'ai la voix qui a un peu de mal à suivre. Vers Kerberus. Alors, hop, sauvegarde. Bon, faut aller là-bas. Ok. Vous pouvez pas mettre plus haut, non? Qu'est-ce qu'il y a par là? Oups, non, mauvaise idée. Est-ce que je peux sauter sur le pilier qui est là? Non. On ne peut pas. Ça se tentait. Est-ce que je peux faire tomber ça? Ouais, ça tombe tout doucement. Il rembarque là. Il est passé à travers le sol, d'accord. Bon, bah à mon avis, j'ai pas trop le choix, faut que j'aille me taper là où il y a les humains, quoi. Je vois pas trop d'autres issues. À part monter encore plus haut. Le seul endroit, c'est ici. Et ils sont trois, je vois pas trop comment je passe ici. À part en me mettant invisible. Il doit y avoir un moyen par ici, c'est pas possible. Par là. Ah, d'accord. Ça sent encore l'escorte de merde, ça. Ça pue l'escorte de merde qu'il va falloir le ramener jusqu'ici. Ouais, une porte qu'on peut pas ouvrir, ça pue. Bon, moi j'ai déjà ouvert la porte. Ah, du sable. Ouais, profitons-en. Ouais, ça les a fait bouger. Oups. Bon bah suicide, hein. Suicide à travers le sol. La panique. Je suis repéré, je me suicide. Tac tac. What? Là il y a une plateforme. Wow. C'était tout juste. Y a pas quelqu'un en bas? Juste un péon. Ça, ça peut toujours servir. Alors, je dois aller là-bas. Poum. Bon, je peux pas remonter par là. Bon. À mon avis, faut que j'aille par en bas. Par au-dessus, mais au-dessus, je peux plus aller. Est-ce qu'il y a
par ici, pas grand chose. Profitons-en. Je fonce, hein, je m'en fous. C'est encore la meilleure solution parfois. Bon, lui il se retourne ou il se retourne pas. D'autant que je me doutais que l'autre se pointerait par ici. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je peux descendre par là? J'espère qu'il se fera pas repérer ici celui-là. On va essayer d'aller par là. Donc ça veut dire que je dois sauter là. Ok. Je sais pas du tout par où je passe, je fais n'importe quoi. Effectivement, je fais n'importe quoi. Ouah, le one shot. Bon, j'ai même pas essayé de me défendre, hein, mais je m'attendais quand même à pouvoir me prendre deux coups, quoi. Peut-être se décaler un petit peu. Bon, c'est pas là que je voulais m'accrocher, mais c'est passé. Alors, la suite. Je peux faire tomber ça. Ça peut être drôle. À mon avis, le but c'est plutôt d'aller là-bas. Si je vais là, j'ai accès à ça. Il y en a du monde. Bon, je suppose que la poutre en face, on peut oublier. Je peux sauter sur la caisse au moins. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre moyen de monter? Là, il y a des trucs pour s'accrocher. Parce que d'ici, je peux monter sur la poutre. Non. Merci. Lui, il va me repérer, non? T'étais pas loin, mais ça passe. Eh ben, ça se passe bien. On va sauvegarder avant que ça se passe mal. Tac, tac, tac. Non, j'ai encore fait n'importe quoi. Bon, on panique pas. Ah mais en fait, il faut que je monte tout en haut. Voilà, comme ça j'ai accès à la grue. C'est ça que j'avais mal fait. Oh putain, et puis faudra repasser avec Kerberus, quoi. Ça va être chaud. Tac, tac, tac. Je peux pas faire tomber un truc. Non. Du coup, ben on va monter là-haut, je pense. Hein. Ça va, quand il y a plusieurs chemins, c'est cool. Yeah.
C'est rien, c'est un pigeon. Ah non, ça c'est un chat. Ça, casse-toi. Kerberus, il est en bas, j'ai pas besoin de monter. On va essayer d'atteindre le balcon là-bas. Je sais pas du tout par où je passe. Mais... tant que ça passe. Je fais des tentatives, on verra. Là, je suppose qu'il faut pas rêver. Ah si, on peut rêver. Tac tac tac. Greedy, greedy, greedy. Tac tac. 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 Ah merde, la fenêtre était fermée. C'est con. Ah par contre celle-là elle est ouverte. Mais je suis du mauvais côté, ça fait chier. Et un garde juste en dessous. Tu veux pas de bétailleur, toi, que je puisse sauter sur les balles, non? Ouais, il faut attendre. Putain, il y en a un autre là. Putain, je suis dans la merde là. Yeah. D'accord. Bon, c'est passé, hein, c'est le principal. Bonjour Kerberus. Ah, trop tard. Bon, ben on ne repassera pas par là. Shit, Kerberus. Styx, he... how? How did I get here? I was in my laboratory, and Barryman asked to talk to me. No, that was 10 years ago, my old friend. Can you stand up? Oh dear. I'm in pain. I'm in terrible pain. I'm bleeding. Le gars. Manfred? Yeah, I'm here. I once knew a Manfred very well. Charming lad. But he's dead, I think. He killed himself. By my ancestors. I think I'm dying too. Non, although, tu crois? I don't have the slightest idea of how it happened to me or why. It's stupid, isn't it, not to remember how one died? What? Ça veut rien dire. Better. It wouldn't have been very nice as a souvenir anyway. You see? Oula, il y a ta voix qui déconne, toi. Yeah. It's unhinged. Sorry. The one who looks like you, he asked me how to reach the heart of the tree. He was nasty. I didn't have any choice. The spy system I built for Barryman. One of these air ducts leads to the World Tree? Yes, of course. Barryman needs to listen to what's happening there. So that was it. The secret that Styx hoped for. I don't even remember Manfred's face. It's strange memory, isn't on s'en fout, t'es en train de crever. We would like to choose the memories that remain and those that disappear. Achève-le, s'il te plaît. But who cares? Since I shall now join him. Goodbye, my friend. Maybe we'll meet again. Le gars, il est quand même tranquille pour un gars qui est en train de mourir, hein. Another life. That would be nice. Farewell, Kerberus. Ouais, là, les voix déconnent trop dans cette partie. Kerberus. Ok. Poor old fuck. Maybe your life wasn't so bad. Repeating the same experiment day after day in your stinking lab. Never knowing why, or who for. Of course you're better off helping me. Haven't I always said that? No! Not you again! Leave me alone, Styx. Shut the fuck up! I forbid you to speak in my head! It's unbearable, isn't it? Imagine how I feel. Suffering more than 2 centuries listening to that. All the nonsense that passes through the minds of thousands of idiots. It's like a tide of trash that permanently washes up inside my head. I can't take anymore. But I've come to put an end to this ordeal. And I will owe a part of my victory to you.
I admit it. Shut up! I don't belong to you, you hear me? Of course you do. You carry my mark. Oh, and by the way, thank you for finally extracting the information I was looking for from the skull of that old half-wit Querberus. Ah, on s'est fait avoir. My patience. Ah, il y a les sous-titres qui ne marchent plus. Fuck you, Styx. I'll end your skin, I swear it. Focus on my voice. Don't listen to Styx. T'en es sorti, l'elfe. Come to me. Focus. Ah, now it's the fucking elf! Come on! Anybody can just wander into my skull and have a shit? I'm not gonna be able to take this much longer. Makes you wanna bang your head against a brick wall. Have courage. I am waiting for you. Et comment il est vivant alors que je l'ai pas aidé, ce con? Ça y est, ils avaient fini de parler, oui. Donc en gros, le sous-titre qui est pas passé, c'est Styx qui disait que... Comme le vieux nous a parlé, maintenant il a les informations qu'il cherchait, donc on s'est encore fait avoir. Ah non, c'est rien, c'est rien. What? Qu'est-ce qui m'a tué? J'ai pas compris là. Je suis peinard sur ma plateforme, il y a un truc qui m'explose à la gueule. Si tu veux. Non mais fais-toi plaisir le jeu. Ah, d'accord. Aïe. Comment on fait encore pour les battre, ceux-là? Je sais plus. Ok. Je sais plus comment on les bat, ces machins. Je sais plus comment on les bat, c'est la merde ça. Réfléchissons, donc c'est pas en leur tapant dessus. Ah, je crois qu'ils se barraient au bout d'un moment en fait, donc faut juste que je bouge. On va essayer ça. Tac. Ah, c'est pas du tout la panique là. Comment je vais faire avec ce truc? Bon, surtout je fais quoi maintenant que je suis là? Oh! J'adore faire ça. Et il est parti l'autre. Ok. Qu'est-ce que je peux faire d'ici moi? Bon, par là c'est une mauvaise idée. Bon, sauter jusque là, faut pas rêver. Je vois pas comment passer ici. S'il y a quoi? Il y a rien. Tac. Ensuite, on va attendre que ces deux-là se barrent. À chaque fois que tu passes à un endroit et que tu y repasses, il y a deux fois plus de soldats qu'avant. Casse-toi, toi. Tac. Je saute assez haut. Ah non.
Non, je suis passé où. I'd like to know what's going on outside. Something could be at war with the air without even knowing it. Tu m'énerves. Bon, bah c'était pas ça. Ah, merde! Oh quand je panique, je fais n'importe quoi. Mon dieu. Donc c'est pas par là qu'il faut que j'aille déjà. Parce que je sais pas monter sur cette plateforme. Là-bas, il y a un truc, mais je pourrais jamais l'atteindre. J'ai été presque arrivé. J'y étais presque, il y avait de l'idée. Faut juste que j'aille plus vite. D'accord. Le problème c'est qu'ils m'ont repéré donc. Attends, je suis passé, c'est passé par où ici? Je sauvegarde pas, je regarde les possibilités. On va par là. Comment je suis censé passer ce truc? Tout éclairé. J'ai even gaspillé mon couteau en plus. On se la tente rush. On va se la tenter rush. De toute façon, au pire, on sauvegarde. De toute façon, je vais récupérer des fioles d'ambre juste après. C'est passé. Fuck l'infiltration, je cours. Oh la vache. Alors, mission terminée, 180, je devais voler le livre de compte 30, faire division pour nous aider à fuir, il va se faire foutre même s'il s'est sauvé, et voler la relique, qu'on s'en fichait, j'ai 210 points de compétence, mais je crois que j'avais plus grand chose à acheter. 1h35, ou plutôt 1 an et 1h35, 8 alertes déclenchées, on s'en fout, on a tué 35 ennemis, on en a laissé 219 en vie, t'imagines si tu dois buter tout le monde, quoi. Ils ont trouvé 2 cadavres, et j'ai ramassé que 3 jetons, mais ça on s'en fout. Je n'ai pas déclenché aucune alerte, je n'ai pas tué personne, je n'ai pas fini en moins de 35 minutes. What? Et tous les jetons n'ont pas été rasés. Ils sont complètement pétés, ce truc de célérité, quoi. C'est... À part faire ce que je viens de faire, je vois pas comment t'es censé faire ça, quoi. Elle avait pas été compromise, la planque?
Il était pas censé y avoir des soldats partout ici? Je sais plus, ça fait tellement longtemps. Enfin, soit. Je crois que c'est le moment idéal pour arrêter cet épisode. On va sauvegarder d'ailleurs. Hop. Tac. Et tac. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Ça va devenir pénible de tourner les épisodes suivants. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire et un pouce bleu. Ça aide et ça fait plaisir. C'était Gorogorcillon en direct de Montpifrou de Styx Masters of Shadows. A bientôt pour la suite.